Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Lac 76. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui jeudi, 18h35. Je suis pas en avance aujourd'hui. Comme vous le savez, le jeudi, il y a la récompense soit fut champion ou Division Rivals. Pour ma part, ça sera les récompenses de Division Rivals. Là, comme vous le voyez, on a 904 points de qualification à fut champion. On va tout faire pour essayer de se qualifier. J'attends de voir vraiment à 19h si Yé va nous ressortir quelques renforts, pourquoi pas des SBC. Mais avant d'aller chercher les récompenses Rivals, je tenais à m'excuser par rapport aux 3 vidéos de player review qu'on a eues sur Malak 76 avec les TOTS Latin America. Il y en a deux vidéos en fait qui se sont mises en fait. Il y a eu le player review de Munoz qui s'était fait avec le TOTS Latin America en DDA 89. Et j'ai la deuxième vidéo en fait de Rangel en fait en player review en TOTS en BUA 90. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu quelques petits problèmes pour enregistrer mes vidéos. Enfin, ils se sont enregistrés et là, elle est toujours en attente de cours de traitement et elle s'est pas mise sur mon site. Donc, je vais voir, je vais attendre de voir jusqu'à ce soir. Et si elle s'est pas mise, je vais sûrement la refaire pour la remettre sur mon site. Et bon, Ricorté, s'est mis aussi en player review en MCA 92, s'est mis aussi sur mon site. Donc, il manque juste le player review de Rangel Tots en BA 90. Un petit avis aussi sur les nouveaux Tots qu'on a eu aussi. J'ai joué 14 matchs, hein. J'ai pas pu jouer autant de matchs que ce que je voulais à cause de ce problème de vidéo qui s'est pas mis, ça m'a un peu travaillé. Munoz, Tots, 14 matchs, bon, une passe décisive, ça va, il fait le boulot, faut juste faire attention avec lui, avec le placement, des fois il monte un peu et il a du mal à redescendre. Mais dans l'ensemble, ça va, j'en suis pas trop mécontent. Ensuite, Rangel Tots, rien à dire, 14 matchs, joué 15 buts, 5 passes décisives, il fait le boulot. Je l'ai trouvé un petit peu lourd en accélération. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, bah, c'est très très fort. Et après le dernier, ma meilleure note, ça m'embête de dire ça, mais pour l'instant, j'ai du mal à jouer avec, c'est Ricorte Tots en MCA 92, 14 matchs, seulement 3 passes décisives, pas de but marqué. J'ai du mal avec les MC en fait et les MOC qui sont au-dessus du 1m80, j'ai du mal à jouer avec en fait, très simplement. Et le rendement aussi fait que, dans l'ensemble, il est pas mauvais, parce que la carte sur le papier est quand même très très fort, hein, ce qu'on nous annonce. À voir, je vais leur tester un peu plus et on va essayer de faire les choses vraiment bien. Puis dans l'ensemble, ça va quoi. Donc voilà. Écoutez, on a débloqué 3 packs en boutique. On arrive bientôt à la fin de la saison 6. Il nous reste plus qu'une journée. On va essayer de débloquer encore quelques packs sur la saison 6 restante. Hein. Après cette vidéo-là, je vais rejouer un peu en Division Rivals, tout faire pour essayer de me qualifier. On a débloqué 3 packs en boutique, on va prendre les récompenses Rivals. Donc cette semaine, c'est comme je vous disais, j'ai pas pu jouer autant de matchs que ce que je voulais, j'ai joué 14 matchs. Hein. Donc voilà, on a fini rang 3 cette semaine dans ma division en Division Rivals. Option 1, 15 000 crédits. Option 2, c'est du vendable, un pack une joueur mélangé et deux packs à 5 000 crédits vendables. Et option 3, et c'est de l'invendable, il y a 4 packs or non vendables et deux packs une joueur mélangé non vendables. Donc pour changer un peu, je vais prendre les invendables. J'ai 40 000 crédits, même s'il y avait des SBC qui sortaient et que j'espère ce soir à 19h, on pourrait toujours faire un peu d'achat-revente. Donc on va prendre l'option invendable. Deux packs une joueur mélangés non vendables et 4 packs or à 5 000 crédits non vendables. Pour avoir fini rang 3 dans ma division. Voilà, 4 packs or à 5 000 crédits et deux packs une joueur mélangés, le tout en non vendable. Donc ça se fera un total de 9 packs et ça sera de l'invendable. Très clairement. Je vais aller vous refaire voir les tots qui sont sortis aussi. La TOTS Ligue 1 avec du Renato Sanchez en MCA 94, du Ben Yedder à 97, du Neymar à 98 en AG, du Mbappé aussi, TOTS en BU à 98 et du Memphis Depay à 94. TOTS de MLS, hein, du Robinson, du Martinez en BU à 94, le Vénézuélien, Carlos Vela le Mexicain, TOTS en AD à 96, du Pozuelo avec un 4 et 5 en. Geste technique à un mauvais pied et du Haut-Para, l'Américain en DC à 92 en TOTS. Donc voilà. La TOTS Latin America, du Salvion en MD à 94 pour la SAF, enfin en AD, pardon, du André Pierginiac en BU à 93, le Français en Liga MX, du TVS à 95 en BU, en SAF, du Rodriguez aussi pour la SAF aussi, Rodriguez, du Fernandez, pardon. L'Argentin en MCA 94 et Ricorte, le Colombien qui joue dans mon championnat à l'Independiente Medellín en MOC à 92. Bon, pour moi, pour ma part, je le fais jouer en MCA à 92. Donc voilà. Ah, on a eu des Man of the Match, tiens, non, j'avais pas fait gaffe à ça. On a des Man of the Match aussi. Je suis en train de voir ça.
Qui c'est qu'on a? Du Jadon Sancho, du Kimmich. Ouais, bon, c'est vraiment les championnats mineurs qui ont repris. Peut-être une bonne nouvelle aussi dans les jours à venir. Peut-être que mon championnat va reprendre ce week-end, je sais pas. Je croyais qu'il reprenait au mois de juillet. Ça, j'étais voir sur un site en fait, ça a été supprimé. Donc peut-être que ça va reprendre avant le mois de juillet. À voir. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Bon bah écoutez, on a 9 packs, on va aller les ouvrir tranquillement. On a, voilà, on a tout ça à ouvrir. On a un pack de joueurs non vendables, on a un petit pack joueurs Electrum non vendables. On a les 4 packs or à 5000 crédits, le pack à 25 000 crédits non vendables, le pack joueurs premium or. Et on a les 2 packs queen joueurs mélangés. Bon, on va essayer de chatter quelque chose, hein. Ça va être compliqué, c'est des petits packs, mais sait-on jamais. Premier pack, invendable, contient 2 éléments, un en or, un rare. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est parti, let's go, c'est ouvert. Ok, carte or non rare, Romulo, l'Italien, en MD à 77. Il joue où celui-là? En Italie? Ouais, bon, je garde pas. C'est de l'invendable. Pourquoi pas aussi espérer là, dans la nouvelle saison, les cartes saison, là, vous savez, les cartes noires, là, pourquoi pas dans mon championnat, pourquoi pas en espérer? Ça fera du bien, pourquoi pas? On sait jamais. Petit pack joueur Electrum, deuxième pack à ouvrir. Contient 6 éléments. Il y a 3 éléments en or, 3 joueurs argent et il y a un élément rare. Allez, c'est parti. Petit pack joueur Electrum. 3, 2, 1, let's go. On espère au moins le bout du tunnel. Pourquoi pas espérer packer notre premier tots en vidéo? Et pourquoi pas avoir des boosts, des animations, des man of the match. Ok, carte Conmebol, Libertadores. Insaurald, l'Argentin qui joue en D1 Chilienne, en DC à 73. Carte Silver. C'est pas fou, hein. Une der. Mbarba, ok, Santon, Lame. Ok, bon, bah, tout ça, hein. Je garde pas. En plus, c'est de l'invendable. Je fais peut-être une erreur par rapport à. Ou peut-être aux futurs SBC qui vont sortir, comme il peut très bien ne pas en avoir. On verra. Je verrai ça tout à l'heure à 19 h après avoir fait la vidéo. Ok, là on a 4 packs or à 5 000 crédits, un pack à 25 000 et 2 packs queen joueurs mélangés. Allez, c'est parti. On va prendre le troisième pack à 5 000 crédits. Contient 12 éléments, 12 en or, dont un rare. J'espère des contrats. Bon, ça on va en avoir. Et des formes équipes, pourquoi pas. Pourquoi pas une animation. Le bout du tunnel serait bien. Non, toujours pas. Amadou, le français qui joue en Liga. Carte or noir en MDC à 78. Ok, Touran, des contrats, bon ça on en a. Les soins, je vais les garder. Ça mange pas de pain. Et j'envoie tout au club. Ok, bah deuxième pack à 5 000 crédits. On ouvre, on perd pas de temps. Let's go. Ok, Fortounis, le grec qui joue en D1 grec à l'Olympiakos, en carte or non rare, en MOC à 78. Pour l'instant, ça veut pas, mais bon, c'est des petits packs. Fortounis, ok, Bernardoni, ouais, d'accord. Les contrats, je garde, informalité, tac-tac. Les styles, je vais tout garder, ça peut toujours servir. Et j'envoie tout au club. Eh bah ben c'est parti, hein. Troisième pack or à 5 000 crédits, let's go! Toujours de l'invendable. J'espérais chatter un peu sur ces packs là, mais avec des packs invendables, mais pour l'instant, bon, avec les packs à 5 000 crédits, on sait que c'est très compliqué. Ok, Bruno Viana, brésilien qui joue au Sporting Braga en carte or noire en DC à 78, en Liganos. Toujours pas de forme équipe EA Sports. Morrison, tac-tac, ok. Contrat rare, ouais, ça, tout ça, je vais garder. Le style garde, je m'en servirai pas. Et tout ça, j'envoie au club. Ok, dernier pack à 5 000 crédits, toujours de l'invendable, 12 éléments, 12 en or. Contient des joueurs et des consommables, un élément rare dedans, pack à 5 000 crédits, let's go. Ok, Gomez, l'Uruguayen, BU à 4. À 80 en carte or non rare qui joue en Liga à Valence.
Pour l'instant, c'est notre meilleure note. Hein. Ok, qui c'est qu'on a avec? Pas mal le pack. Ok, le jeune. Tac-tac. Bounassar. Des contrats. Un style catalyseur. C'est pas mal. Je sais pas combien que ça aurait valu si on l'avait packé. Ouais, ça vaut pas si cher que ça. Je croyais que ça valait plus. Et surtout, 1500 crédits. Bah écoutez, on prend. Hein. Sur un pack invendable. On crache pas dessus. Un bon petit pack à 5000 crédits sur celui-là, ma foi. Ok, bah il nous reste 3 packs. Je voulais vous remercier aussi hein, par rapport au soutien que vous me laissez, commentaires, au nombre de likes que vous me laissez, au pouce bleu, au nombre de vues que vous me laissez. La chaîne a bien évolué cette année. On est monté jusqu'à 34 abonnés. Là, je vais essayer dans les semaines à venir, dans les maximum 3 semaines à venir. Parce qu'il faut bien se dire une chose, je vais être présent jusqu'à la fin du FIFA, hein, jusque même à la sortie du FIFA 21. Même avant, vous allez me voir présent, parce que c'est un championnat qui est décalé, la D1 Colombie des joueurs colombiens, donc la LAC 76. Pourquoi? Parce que bah, normalement, si tout va bien, on va avoir la... Mon championnat va reprendre, avec les championnats nord et sud-américains, comme les championnats asiatiques, très certainement. Et puis, il va y avoir aussi les championnats européens, très certainement, qui vont reprendre aussi. Peut-être pas tous, mais il y en a certains qui vont reprendre. Là, on arrive à la fin des TOTS. Et il va normalement y avoir les TOTV qui vont sortir. Et je serais pas surpris qu'on chope quelque chose dans ces TOTV là, si mon championnat reprend début juin, ce que j'espère. En plus, on peut espérer aussi une reprise de la Copa Libertadores, hein, pour laquelle on avait eu des cartes Conmebol Libertadores, coup d'envoi, boost, comme Borja, Inestrosa, Velasco et Banguero, et Cabrera et Juan Nieto. Et il y avait eu des Man of the Match de la Copa Libertadores, rappelez-vous. Donc on peut toujours en espérer, pourquoi pas des boosts de la TOTV, voire des Man of the Match. Donc voilà. Mais je vous remercie encore pour tout le soutien que vous m'apportez aussi, pour vos commentaires, vos nombres de vues et les nombres de likes que vous me laissez sur mes vidéos. Je voulais vous remercier par rapport à ça. Donc bah écoutez, on va continuer le petit pack opening, on a quitté la boutique. Il nous reste un pack joueur premium or à 25 000 crédits qu'on ouvrira en dernier. Et il nous reste deux packs prime joueurs mélangés non vendables. Alors on va ouvrir celui, le premier pack prime joueur mélangé, contient 12 joueurs, 4 joueurs en or, 4 argent, 4 bronze, et dedans il y a 6 éléments rares. Pourquoi pas hein? Il y a 15 jours, on avait packé Ibrahimovic à 85. Pourquoi pas? On espère le bout du tunnel, au minimum le bout du tunnel. Pas sur celui-là. Almada, l'Argentin en carte Conmebol Sudamericana, qui joue en SAF en D1 Argentine. En MDC en carte Silver à 72. eSports a très bien compris qu'on avait. Une grande préférence pour les joueurs et les championnats sud-américains, ils me donnent vraiment bien les cartes. Ok, Pizzi 84, c'est pas mal. Asamoah, 1-1, Sané, tac-tac, ok. Bon. Ok, deuxième pack prime joueur mélangé. C'est parti. Il y a 6 éléments rares dedans, sur 12 éléments que contient le pack. Non, ça veut toujours pas, c'est dommage. Encore une carte Conmebol, Libertadores, Rojas, le Chilien en MDC, en MOC pardon, à 70. Il joue en D1 chilienne. Je crois que c'est l'Union Católica, je crois son club. Je crois que je vais aller voir, je crois il me semble. Hein. Oula, double Conmebol. Youpi. Ouais, c'est bien ça. Ouais, voilà, eSports a tout compris. Hein. Avec, on a aussi Bolano en MD à 58, en carte Conmebol Libertadores, donc en carte bronze, et qui joue en SAF, au Tigresse normalement. Non, à Tigre, pardon. Je confonds toujours. Ok. Hamsik, encore un 84. Ok. Fred, André Ayou, ouais, ok. Ok. Bon bah pour l'instant 2,84 hein. Pizzi et Hamsik, c'est pas si mal. C'est dommage qu'on les voie pas avec le bout du tunnel, c'est bien dommage, mais bon c'est comme ça. Allez, dernier pack, qui me réussisse pas vraiment, j'espère que ça va changer un peu là-dessus la mise. Pack débloqué dans les tâches saisonnières, un pack invendable, pack joueur premium or à 25 000 crédits, contient 12 éléments, 12 en or, et il y a 3 éléments rares dedans. Allez, c'est parti pour le pack à 25 000 crédits. Pack joueur premium or. 3, 2, 1. Let's go, c'est ouvert.
Ok, on a le bout du tunnel. Portugais. Gardien. Rui Patricio. 83. Gardien de Wolverhampton en première ligue. On a enfin eu le premier bout du tunnel qui s'affiche. Ok, qui c'est qu'on a avec Pedro, Caicedo, Rongier, Fortunis, Grujic, Huntelaar. Ouais, pas fou, pas qu'un. Donc bah écoutez, bah c'était mes récompenses de Division Rivals. Hein. Rang 3 pour cette semaine. On va tout faire pour aller se qualifier cette semaine à FUT Champion. Il manque encore pas mal de points, mais on va essayer de se qualifier. On va mettre le paquet, on va essayer de tryhard un petit peu plus. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Puis bah, vous pouvez quand même compter sur moi pour être présent jusqu'à la fin du FIFA 20. Au moins minimum jusqu'à fin août. Hein. Ça vous pouvez en être sûr et certain, il y aura des vidéos. Tant qu'il y aura des TOTV, tant qu'il y aura du contenu et puis qu'on pourra jouer, ben on va jouer quoi. On fera ce qu'il faut. Et puis merci encore pour tout votre soutien. Donc c'était LAC76 pour vous présenter mes récompenses de Division Rivals. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous et à toutes, ainsi que mes précédentes. Donc bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à tous et à toutes, bah, un très bon début de week-end. C'était LAC76. Merci. Au revoir.